Du jour se poursuit comme tel. Primo, l'arrivée des invités est mise en place. Deuxièmement, l'hymne national. Troisièmement, mot de circonstance du bureau du quartier. Quatrièmement, discours du bourgmestre de la commune de Lemba ou son délégué. Cinquièmement, découpage du ruban par le ministre provincial de la ville province de Kinshasa où sont délégués, et présentement c'est par le bourgmestre de la commune de Lemba. Sixièmement, le discours du président de l'ONG Axe Belgo Congolais et mot de clôture. Et septièmement, pour clôturer, il y aura un petit cocktail pour nos invités. Voici l'ordre du jour de notre programme. On va débuter avec l'hymne national. Quartier et la représentante, le représentant, s'il s'agit de représentants, pour dire le mot des circonstances. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial chargé de l'Intérieur, ville-province de Kinshasa, empêché. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial chargé de l'Intérieur, province de Sankuru, empêché. Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba, ville-province de Kinshasa. Messieurs les commissaires urbains chargés de la police, district du Mont Amba, empêché. Messieurs les commandants Siat de Rigini. Messieurs les chefs d'antenne d'ANER et DGM de Lemba. Messieurs les curés de la paroisse Elimosante. Messieurs les notables du quartier Livoulou. Messieurs les chefs de quartier. Messieurs les chefs de riz. Distingués invités. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette inauguration, le bureau du quartier est heureux de vous recevoir au nom du chef de quartier, M. Waluka Mbambala Raymond, empêché prendre la parole et vous souhaiter, vu l'urgence et sur base de ce que l'ONG de Axe Belgo Congolais avait fait comme construction au quartier Mbanzalemba. Enfin, nous avons décidé de faire appel au responsable de cette ONG de précité, M. Omer Mubikai Tchabola, pour ce travail. Chose demandée, chose réalisée. Nous lançons donc un appel vibrant à nos autorités du pays de porter un soutien à cette ONG de pleine des initiatives de développement.
Nous disons donc merci à l'axe belgo-congolais. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas terminer ce mot sans dire merci à notre autorité de tutelle, le bourgmestre de la commune de Lemba, pour avoir autorisé ces travaux. Monsieur le bourgmestre, chers notables, votre appui serait donc un soulagement pour accompagner ce bureau du quartier Livoulou dans cette lourde mission liée à l'administration. Par ailleurs, nous demandons aux habitants du quartier, aux chefs de riz et à la police de sécuriser cet ouvrage et le maintenir toujours dans un bon état, car nous avons l'envie d'informatiser ce bureau pour une bonne administration. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ONG des Axes belgo-congolais, que vive ce bureau du quartier. Merci, je vous en prie. Ce bureau du quartier, nous invitons son excellence, monsieur le bourgmestre, pour un speech que nous attendons tous. Merci. Ma maman beauté, ma papa beauté. De Lemba, monsieur le commandant Siat Lemba Regini, monsieur le chef du quartier Nivoulou, monsieur le président de l'ONG Axe Belgo-Congolais et Nivoulou, mesdames, messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Monsieur le chef du quartier, je viens de vous voir. C'est un grand honneur pour nous de recevoir cet enfant qui a failli nous quitter, qui vient d'être réanimé. Nous voulons, au nom de toutes les filles et fils de Lemba, dire merci. Merci à l'ONGD Axe Belgo-Congolais. Vous savez comme moi que dans nos coutumes, un ami fidèle où on reconnaît un bon ami pendant le moment difficile. Nous avons suivi le mot du quartier. Les speakers du quartier nous ont rappelé que notre enfant a été blessé il y a de cela 4 bonnes années, jour pour jour. Il a fallu qu'un autre digne fils, les Maltec, de surcroît moi n'ai voulu, d'apporter un souffle nouveau à cet enfant qui mourait. Je voudrais, avec la permission des ancêtres, de Nanzela ya ONGD Axe Belgo Congolais, moi nanabiso oyo azongeli bomoi. Nagosenga tobetela lisusu Axe Belgo Congolais. Merci beaucoup. Nantela et à Papa Omer, né moi nanabiso à Sekoui. Merci à Papa Omer qui représente l'axe belgo-congolaise, belgo-congolais. Mais boye bakeso qui Papa Omer, à Sali Moussala, Oyo, Papa Janoa Bandaki, Pombo Kaiza na Kimia. Pour Torego Tambola, Torego Tala na boye. Nayango, il faut te pesa longo, nayamakasi na mokonzi amboka, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, Chilo Zamboka, son obetele maboko ma telemaka. Merci. Merci. Ngumba Kinshasa, bomone lamba na lati, na bandi, exemple ya malamu wa Kinshasa bopeto yangoyo. Kinshasa bopeto ya solo yango yo. Ifoto peto la engumba na biso ya Kinshasa e ba mama na ba papa bino bana ya Lemba bozali na mokumba munene na o etali Kinshasa bopeto. Merci, merci et merci.
misala na bino ekende liboso. Bo hésiter te, ce qui vous en a posé à puis à commune à Lemba, toko accompagner bino. Nyonso bolingo sa na Lemba, toko accompagner bino. Ce qui vient de la paix, bino ma coquille moussousou, bota et la biso quartier, kemi, tozana na birote. Kemi tozana birote, tozo bunda. Mais ce qui vous a eu na moyen, bosunga biso. Ma poste à la police et zali, bosunga biso. Batata, ba mama, bilenge, nzambe ya lola, apambola biso nyoso. Après le discours. Na batou ya libanda, parce que pour moni bien biso ezali axe belgo congolais. Donc ezali ONG des droits belges na des droits congolais. Donc tant que nous avons en tout cas en Abidjan la parce que nous avons suivi et puis nous avons partenaire à l'Abisso, Nicolo, pour comprendre les autres amis. C'est pour cela que nous avons une invitation, mais il n'y a pas de bateau. ONG à l'Abisso, l'œuvre où ils ont ça, ils ont un éveil patriotique. Pour nous, pour nous, les Congolais, pour éveiller la conscience patriotique des Congolais, pour nous, les Ngamboka, pour nous, les Sengeli, pour n'amboke qui est liboso. Il y a un moyen soit qui est na discours puis programme il y a mon conseil au canabiso. N'engarobi que à partir il y a congolais montuyer mon que l'homme au centre du développement. Donc développement il y a Congo il y a mon canabiso et Sengeli et Kozala kaka ipa il nabiso mon ko bato. Il y a mon moni tout ça qu'on s'associe puis na malobo bourmes kalobi. On a makambo etali commune à Lemba. Tout ça là qui bureau Oyo, dengue Ezaleli, nous tenons bien sûr Jano Bino dans ça là qui l'effort naie, et puis Ezaleli pillé. Il y a 4 ans, banan il va piller qui ango, Ezaleli kabana à côté Oyo. Ils ont un comportement mon haut, tout ça vraiment qu'on déplorer. Tant on a les cas qui a une fois en bas à Liboso, na Kutaki, papa Waluka Fandi, na bureau Moko mur, ils ont en partie. Bateau les athées, mou les obéta, mou les obéta. Dura police, kuna n'en parlons pas parce qu'il va aller occuper même endroit à or, quand on a 4 heures. Dans les cas qui papa les laki, parce que là papa, il s'est dit, quand on a beau tamis dans Bazalemba, on a natif yalemba. Pour là, on a moins un millionnaire, on a hérité pour héritage, on a eu ma cacité, mais ils ont juste volonté. Il y a moins de parler d'éveil patriotique. Tout ça, on a éveil patriotique. Donc, Lubaki, tant que ça va œuvre mingi na ONG na biso na niveau en Bazalemba, nde papa ya quartier ayaki otukuta na ngai pona to sa ila bango bureau. Na me ko tala na équipe na ngai to pona osa bureau wana il faut et vous coûter combien? Ba yep sa ngai ke non ezaki nango plus de 20 000 $. Mbongo mwa mokie. Total yango peut-être ça va mbongo to somme la carte, to somme la carburant, to sa bilo msume. Et que ça est au moment où il est au la Libéla et puis pour aider la communauté Mouimba. Tout ça, il y a un moment de Nandimaki pour le cas la bureau, il y a police, il y a un banzale, il y a un inauguré qui est et les kaki. Après, si vous avez tant que et Salamine Nguana, il y a une sollicitation, tant que vous mettez en lui pour la Régini, pour le quartier Kemi, effectivement, la bureau, la bureau, tout ça va demander. Si il y a une clinique universitaire, centre hospitalier universitaire, il y a un moment en bas. Tout ça, on a un dossier, on a vu ce qu'on a demandé, il y a une réhabilité. Tout ça, on a un dossier ébélé. Alors, tout le monde, par rapport à la demande, il y a les foules, on a déployé ça là. Au moment, le bureau de police, tout le monde, on a un bandeliti, on a un souka. Donc, nous, surtout, on a tout ça, mais on a un dé, tout réhabilité. Mais il y a un bouc, on a un tol, il y a un tel, 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 il y a base à la quand même na ici comme alam. Nous travaillons en partenariat avec la police nationale congolaise, ONG Axe Bilgo Congolais, et nous travaillons ici en partenariat avec la police nationale congolaise. Na mais qui est sillonné, na va susciter presque 30 susciter. Il y a vu la Kinshasa, mais on a puti kuna, ils sont vraiment terrible la situation. Il y a la policier. C'est pour ça avec Axe Bilgo Congolais, la police nationale, tout ça au tala de façon il y a comme ça pour changer. Bah souciat nion surtout aux Ezali na Ezali Ezali na va conteneur na va tol tout mes quartiers on a na ni y a bâtiment alors Ezali situation y a couru que sa maman
boye psa bana na bino ba papa boye psa bana na bino ba bande ki boye psa na bino o ezali bâtiment oyo esalemi na mutoki ya mutu nazali awa na koyi ko rectifier place bourgmestre alobaki une fois awa que non to sengi parsi parla parsi parla te to sali yango œuvre ezali ya axe belgo congolais et puis mutu a sali mutu a tongi yango ezali na sueur ya front yango lande tambo oluba boye psa bande ko na bino nyonso tu oya koyi ko ya ko beta libanga ou bien akoyi ko ya ko bebisa awa ezali awa bebisa na musu na sueur baba na nini mutoki ezali ya mutu nazui œuvre pas à Mindelepi, nazui pas ni ya gouvernement ni ya autorité quoi que ce soit, ils ont toujours na sueur ya front. Donc musa nanga na salaka nazolongola un dixième quelque chose nde bomo ina tombe les locaux nde bomo na salaki ya mbanzani maboyoki ah donc ils ali te que non bazo sala bazo aider ce quoi que ce soit nyon so les ali éveil patriotique parce que mutu nyon so toi koyiko sala yango so koyibi que non na mboka olinki makambo ekende liboso na mboka bandana no kosala na esika na yo avant ngai na kefungola monoko na loba que non na kei kosala kuna na parlement ou bien na koyi kosala kuna na ministère il faut batala na batali est-ce que mbanzani beza bien place à Paul abotama est-ce que livoulo ezali bien est-ce que riguinier ezali bien est-ce que ni ezali bien des places pour que ça a valeur na kosi ah pourtant on a rappelé na mindele awa na ina ambassadeur à Belgique awa aye kotala amoni mbanzalemba akamwa kimi mais ce qu'il y a à mon na FC non voilà mbanzali beza boué li voulez za boué mais tala oyo na salati a opé ça n'a plus valeur à que non voilà et puis ndeto lukato ya sala makam sous li boso te okani ya ngwana ndé na lobai que non avec partenariat au dosala na police à quartier ndé na zolo bana na micro na ba ndé kona biso ya diaspora et extérieur oyo tozali tozala toujours que non nini qui est ennemi moko entre police na batu à quartier parce qu'ils ont ceux qui problème boué police azamabe police azamabe mais ngai tant on a koti na kata police avec autorisation ya autorité ya likolo na vérifier na moni ba problème o ezali na kata police en tout cas ils a problème moko très sérieux oyo to konukato débattre na yango là mon conseil sa police na vous mes adjoint nyon surtout ndé en tout cas la disponibilité na bino et je sais quand je dis ça je sais pourquoi tant dans le bar toujours dans ça discours oyo ils allera pas si mine na motema pour na mon ndenge abandon ils ali na mboka na biso ndenge ba na lemba bazo apesa bapesa bo konjo apesa opportunité bapesa ba voix na batu misusu o ba ko ko pesa voix te parce qu'ils ont batu o bazali ba fandi a ota la situation vraiment ya CCC ya mboka à monique non na lemba il faut na ça quelque chose wana yo bandoza ko sale mandé na kopona na bapona mitango yaka bokoni mutu o ya fandi na bino o ayebi coin ya mbanzalimba ya kuna na se ti na kote kuna to kani ya kote kuna mais tant et tant ça ngai pe que non na yaki la fois passée tant on a eu ba résultat na équipe na ngai ya ba élection na moni ke na mbanzalimba a wana livulu ba natif ya mbanzalimba livulu ba pasagite or bino nde mutu ozali batu o ya ko voter ba wana na koyo konsko loba mingi te mais tout banda otala nde sipoyo na éveil ya conscience ko nazali toujours ko sala ko nazali toujours ko senga bino ezali ya mbala nsima tango na mapona mibome ka otala toyokani bome ka otala bokanisa mingi pona ke mbanzali mbali vulu plateau de professeur Richard Tikeni ba kote nyonso tout salongo efungwama ezali na ba digne fils ya mboka pona osala musala toyokani yango yango nde na lobi na koyo ko pour monopoliser parole T na lobby mingi mais pour ça retransmission il y a discours nangai pour nana baksam société pendant parce que discours déjà il y a quelques dizaines de minutes donc benga pour mettre pour na pour ça l'inauguration il y a les ribbons ensemble pour na tout ça la macambe.
longue vie. Alors, pour l'occupation des bureaux, c'est toujours comme ça, c'est que je demande aussi, parce qu'avec les ONG, nous avons trop de matériel au niveau de l'Europe pour qu'elles puissent venir ici, la zone de Cochet. Avec, je vous ai dit que tout ça, c'est un effort personnel. Donc, ramener encore tous ces bureaux et matériaux, ça, c'est vraiment beaucoup de l'argent. Alors, pour cela, on a fait d'abord l'essentiel ici. Là, c'est le bureau du chef. C'est le garçon qui a été vraiment par terre. On a appelé des gens. On a mis ça en haut. Ça, en fait, c'était ancien, mais on a dû répondre aussi. Ouais, les gens des chefs qui ont fait. Je pense que c'est là que ça se fait. Ça c'est le hall voilà, qui fait pour que les policiers soient là. Ce sont des gens, parce que nous on est ONG, on participe des gens souffrant sérieusement. Et c'est un monsieur qui a quelques familles, sa famille, alors des fois il est obligé de nous prier. Sur cela, on nous a donné, je ne sais pas si on peut voir là où on va construire. Même à la longue, plus tard. Bonjour. Ok, monsieur le ministre, devant le bureau à quartier, à Katina, il voulut. Tout le monde est impressionnant, ils ont vraiment ni dans mon coin. Merci pour l'opportunité. Je profite pour saluer tous les Maltèques qui ont eu l'occasion de nous suivre à travers le petit écran. Nous voulons dire merci. Un grand merci à l'ONGD Belgo, Axe Belgo-Congolais pour le geste qu'ils viennent de poser en faveur des Maltèques que nous sommes. Ce n'est pas tout le jour qu'on reçoit un bienfaiteur, qu'il vous souvienne jour pour jour, ça fait 4 ans que ces bâtiments ont été complètement pillés et détruits. Je rappelle pour la petite histoire que ces bâtiments nous ont été offerts par un digne fils de Lemba, le notable du quartier Livoulou, les compatriotes Jeannot Binanou, que je salue et que je félicite une fois de plus. Ces bâtiments, construits il y a plusieurs années, pillés depuis 4 ans, est resté dans un état regrettable et lamentable. Il a fallu qu'un autre digne fils, Lembaltec, un fils né de Lemba, un produit Lembaltec, se soucie de ces cas et se saisisse de ces cas pour qu'on ait les bâtiments que vous voyez, qui n'ont rien à envier aux bâtiments qui sont au centre-ville ou ailleurs. Nous disons encore merci à l'ONGD Axe Belgo-Congolais. Nous disons merci à ce digne fils qui est, de ce quoi, président de cette ONG, M. Omer, fils de Lemba, qui s'est investi, qui s'est sacrifié pour donner un peu de ses moyens pour que nous puissions bénéficier de ces beaux bâtiments qui va abriter le quartier, le bureau du quartier Livoulou. Et aussi, il n'y a pas que le bureau du quartier, nous avons inauguré pratiquement 2 bâtiments. Le 2e bâtiment va abriter le sous-commissariat de Livoulou. Ils ont un bâtiment.
les quartiers à un bâtiment. Et je crois que la population, les Mbaltèques qui habitent le quartier Livoulou, le quartier Banzalemba, comme le quartier Kemi, peuvent revenir voir le service de l'État qui sont à 100% opérationnels. Ici, nous lançons également un appel à tout Congolais, tous les Mbaltèques dignes de ces noms, de suivre l'exemple de notre compatriote. Ok, tokutu awa liboso ya bureau ya quartier pe na kati na société oyé oyé ezali commissariat de Rigini ya Moamba eza vraiment likambo nini o tokuti bino vraiment ebele boye na kati na esika o. Je crois d'abord merci beaucoup ezali inauguration ya bureau ya quartier ya Livoulou na ni ya police ya Livoulou yanga toyé abisimo bourgmestre nanga moko adjoint toyé poto inaugurer yango eloko oyo je crois que ezali œuvre. Comme Beta Auto Sal speech nae, ils ont dit œuvre, ils ont dit d'abord, il y a complètement ce qu'ils voulaient, car moi, je suis solo. Je n'ai pas de salle qui est en moi. Mais ma pierre, ça fait 4 ans. 4 ans, et comment vraiment, à l'ambition, tu as toujours beaucoup causé à la commune. Tu es à la totale qui est en moi, tu es 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 en moi, tu demande à l'évolution et au salaire à l'évolution. Bisous ton côté à la carte, vous m'en avez allé. Donc vraiment, en tout cas, tu évites ceux qui côté à ma commune, vous êtes allé. Vous allez prendre un solo, vraiment, il y a un autre en tout cas, te remercier mille. ONG OU, Axe Belgo-Congolais. Dans l'initiative, il y a M. Omer, le président, dans le conseil, te signer merci mille. Il y a un point à battre à l'évolution, te signer à Bango, et loco, Evroyo, vraiment, Bassimba. Pour d'abord, on va piller à l'évolution. Ban à l'évolution, Batique, loco, Bassa, et loco, salarité. Bon, Moutou, on y passe dans Moutou, qui Ok, mon amboka. Mbote maman. Ok, tu es qui combonne et tangami pe à la bandeko bautiko le kabisawa pour la likambo etali bureau du quartier Oyo Pambate et le kimwa bamboula yo salaka yango malgré ba panzi ya, ya mabe ba yaki ba panza ki yango nde deuxième tour papa na biso Omer Mubikai nde aiko sala yango et zala ki penza ndenge nini pour te baiko panza bureau du quartier. Boyebi, merci d'abord pour la parole. Boyebi, mboka na biso ba étape nini otoleki pour na kovandi sa démocratie. Yango moni ndeko maire ndenga utsolo bawa likambo ya éveil patriotique. Éveil ezali ko lamusa moto ko yebisa moto te ke ko laksa e ke mabe ezali mabe malamu ezali malamu. Mosala ndeko maire azo sala yango. Biso tomekaki ko sala parce que nous devons mettre na ba condition a bien bato a misala o eza quartier na biso oyo vraiment de konanga to koli na ye ensemble to mega ko sala mais mobulu yaki na mboko pa benga pillage et les gens qui ont pillé ce sont le même natif ya Mabele o bazana ba bonne manière te et puis ça nous a découragé personnellement mais ndeko mer atali alobi non mais kuluto lembi pona nini a fongoli benga na ye et na direction ya ONG de Axe Belgo Congolais a Zimbongo a Salim Musala naye na mbongo naye ya poche les lots ko inaugurer yango toza ko tombele vraiment bolamu mingi nzamba pesa isu makoki po to sala oye leki ko sala pour na quartier oyo je pense que loko oyo ye a Sali ndenge uta ko lobana discours naye. C'était avec les efforts personnels, donc moi je pense que nous devons le soutenir. C'est un natif d'ici, il pouvait avec son argent, à Salab Ambiance, à quoi qu'il n'y a pas bar, à quoi qu'il n'y a pas hôtel. Donc il a trouvé mieux d'investir pour le développement du pays, et en particulier son coin, son fief. Yangwana ensemble, nous avons un drapeau, banini. Ba tricot ndeko luyeye Blaise luyeye azate donc tous ensemble na kati ya Mabele pour développer quartier na biso
tout ça, natif et pas. Et l'eau, il y a une photo, il n'y a pas. Pour que les gens ne soient pas. Pour que les députés dans le Parlement, il faut que les gens soient là. Parce que c'est là où on va te reconnaître. On va reconnaître d'abord tes valeurs. Merci beaucoup, Nandekomer. Nous avons bien pas de après, c'est sous ma casse. Pour que ça soit là, il ça. Papa, on a dit au maire Mobika, il y a un simple citoyen dans la RDC. Mais pourquoi pour permettre ya ça là on sait que ça là moi et l'autre comment qu'est-ce qu'on m'a qui quelque part na ba kondi pour être bon dimaye non na utsolo ba wa azimbo ngwa motote l'état en fait le temps je dirais merci d'abord à Omer. Moi j'ai vu naître cette organisation non gouvernementale du développement axe belgo congolais depuis 2013 tel que tu l'as dit là, je l'ai vu partir et revenir. Et il a vu ce qui s'est passé avec des catastrophes naturelles qui se sont créées ici, dans son petit village. Moi, j'appelle ça village, Livoulou Mbanzalemba. Et il a mis de ses moyens pour commencer. Et il a commencé quelque part. Mbanzalemba n'avait pas de bureau pour les quartiers et la police. Il a construit. Et il approche Livoulou. Après Livoulou, certainement, il va aller à Rigini ou à Salongo. Moi, je l'encourage et je vais le soutenir. Dans cette œuvre, ils seront le bienvenu parce que seul, on ne sait pas bâtir. Moi, je pense qu'il doit être soutenu. Les natifs de son coin, ils sont là, nous sommes avec lui. Mais je demande aux gens qui ont des moyens, plus de moyens, de lui apporter secours pour le développement de ces quartiers que nous voulons. 10 minutes. Hein. C'est bon. C'est bon. Mbote mwana mboka, Omer. Mbote maman. Touti kolanda discours na yo par rapport ya ouverture à inauguration ya bureau du quartier na bureau à la police awa. Sikoyo tolingi toyeba. Eloko ni ozo kwasire bana lemba par rapport ya banatif ya opération makami sosali kate siko. Non, eloko na ko kwasire bango ezate. Bango nde bako kwasire ngai ko batela bâtiment oyo. Bango nde bako kwasire ngai ko kolamuka na éveil patriotique o nga nazo sala na osala éveil patriotique kana malobate mais na action les actions libres sautées ils ont sur la 47e action au Tosali mais la construction ils ont deuxième construction troisième ils allaient pour t'opposer pierre via construction Moussoussou mais on a babengi na bureau ya na commune Moussakalamu mais na lemba pe Tosali to continue toujours. Donc, assurance, c'est Zali, on débat assuré, Ngaï Kenon, au bisou tout ça là, et aux Alamalam, et puis aux Batéam Malam. Ndenge lelo osali lelo deuxième étape na kati ya toujours na kati ya commune na Lemba. Oza ka pona bana Lemba to oza pona Kinshasa mobimba. Non naza ka pona bana Lemba te. Na bandi na bana Lemba olandi discours nanga na lo bien que non valeur a monte zali tant uye moko a bandi n'est pas na yemoko. Ya nga na bandi n'est pas na nga moko na Lemba. Après Lemba naza ba vite na ipsi bino naza na bureau nanga naza ba demande de beleti na kikwit naza bureau na kikwit ba demande des ali. La commune union saute presque la commune mingi va commune ko ça va demande pour na pour luka ko ça là yango surtout comme siko to comme partenaire officiel ya police nationale tozo pe savoma beaucoup plus na situation ya ba policier ya RDC voilà ndinga mona telemi yango pour na osola yango liboso de façon que situation na bango na ba souci to na tamboli na ville à Kinshasa, ma comme na kuti kuna ezali malamu te. Donc y a mon lobby que non, na axe belgo qu'on est au téléma pour un changement total vraiment y a situation va policier. Message ni ozo ko annoncer la population kati na Kinshasa. Message ezali kara y a message patriotique. Patriotique pour nani parce que ce total makambo ezole kanambo kanabiso to moni ke kongolaza e rolala, kongolala mukina nte. Alors pour na ko sauver mutu, pour na mboka nabiso elongwana. Na passé na situation nyo soiza nango il faut congolais la moka. Alors congolais ceux qui ba la musa congolais na éveil patriotique. Éveil patriotique ko nanga na ye pour maloba ba discours et salema mingi. Depuis pour qu'il y a président Mobutu, ma discours est bandai toujours comme ça les mots. Mais les loyaux, tout le but que non, on les tolo baloba mingi, c'est mieux tout ça la action. Alors il y a une action au moni que non, ceux qui t'ont vérifié, mon tabela inga yango zali colonel. Na niveau ya commissariat général ndeko talobelenga ke non oza mutaliboso ya osala yango même na diaspora même na bato bazali a ozomona par là nde nazo longo ko la musa vraiment veille patriotique na mboka na biso pona elobami que le développement du Congo donc l'homme au centre du développement et cet homme là ezali congolais maintenant quel est l'état d'âme ou bien l'état de cet homme là qui peut développer le Congo.
cet homme-là doit être instruit par l'éveil patriotique, doit être éveillé. Il faut à la Mouka, c'est ça le problème. Osengi na mokonzi mboka asala na bino ni bisungi to bozana na besoin eloko moko ezo sala bino pasi nde bozo ki malombango epai na ye. Non, mokonzi mboka ezali te ya ko sala le dialogue ponga na linga dialogue te poso tali ba membre na nga mingi so ina zo kota même babandi ko beta maboko na katara bango baebi ke non na linga te ba tombola nga nzambe ne mutu azali mutu ali kolo ya tombola alors le te mena ko soutenir ba action na ye zo mona ko soutenir ba action na ye na soutenir nini idéologie na ye na soutenir nini le plan na ye yango na monique non ye moka lobby même si ko na discours a auto salami sécurité wana banani ba sala ka sécurité ezali bande qu'on a vu sur les associations, mais est-ce que bateau bah aussi la sécurité, balier, balati, bazar na etanini pour bande bateau les mauvais qui aussi la sécurité, ndé olo biso tozo tala yangu sukupu tala mo konzamboka, kolobelaye mingi, via axe belgo congolais, to meki kosala na baction, via ko sunga ba veuve, ba orphelin, na ba fille mère, mais na côté à basoda vraiment ndé tozo téléméli yangu pour na olukako. Ça la devant mon konzambo kakeno makambe ke liboso na soutien na œuvre na e sécuritaire. OK, merci beaucoup. Président, juste une question. Ça fait au moins 7 ans que vous êtes toujours là au service de votre municipalité, des quartiers qui constituent la commune de Lemba, en train de poser des actions sociales qui ne sont pas commentées, qui sont visibles. En faisant tout ceci depuis 2013, ça fait 7 ans, vous attendez à quoi en retour? Au fait, c'est une bonne question et c'est une question qui m'a toujours été posée par beaucoup de gens. Je vous ai dit ici, je le répétais, je le répéterai toujours, que c'est l'amour. C'est vraiment l'amour, l'amour envers Dieu d'abord, l'amour de la patrie et l'amour envers nos compatriotes. C'est vraiment cet acte d'amour-là qui me pousse à faire, à poser ce genre d'actes. Vous voyez que l'amour, c'est Dieu. Dieu a pris tous les commandements, il les a réunis en un seul. Et ces seuls commandements-là... Est-ce que c'est normal? Merci beaucoup.